Clément, 35 ans, n'a jamais mis les pieds dans une ferme, mais il s'y voit déjà. Au volant du tracteur, prendre soin des cultures, décider les traitements. Et vous? Vous l'imaginez? Honnêtement, on a un peu de mal à y croire. Alors, comment s'y prendrait-il pour le stockage des phytos, par exemple? Pratique numéro 1. Et voilà Stéphane. Il est agriculteur, pour de vrai. Pour lui, plus de secrets. Il maîtrise en toute sécurité l'application des produits phytosanitaires. Préparer la bouillie est une phase délicate qui, pour Clément, semble encore bien abstraite. Pratique numéro 2. Et maintenant, découvrez les bonnes pratiques. Clément se voit agriculteur, mais il a peut-être plus une vocation de médecin. Vous ne croyez pas? Pratique numéro 3. Les gestes du vrai professionnel, en bonne et due forme.
Encore à côté de ses bottes, Clément n'est vraiment pas dans le bain, mais fait preuve de beaucoup d'imagination. Pratique numéro 4. Toujours aucun faux pas pour Stéphane. Comment bien nettoyer son matériel ? Démonstration. Le recyclage des bidons a des limites qui semblent encore bien étrangères à Clément. L'agriculture, c'est bien, oui, mais peut-être pas pour toi. Pratique numéro 5. Pour Stéphane, dernière étape à accomplir.